Mais plus que les mitrailleurs de l'époque. Un genre ambulant. Va aller voir ça. Ah voilà, il est déjà en Je n'ai pas revu mon mari depuis hier. Aide-moi à le retrouver. Medjay, aide-moi, je te paierai. Qu'est-ce qui t'arrive? Hier soir, mon mari Claudios a pris le bateau pour aller voir les ruines de l'autre côté du lac. Il n'est pas revenu. Ces brutes refusent d'aider une épouse angoissée. Je t'en supplie. Je vais le chercher. Fais vite. Je vais t'attendre ici. High position, Gerel. Je suis en train de prendre ton bateau. Ça me rappelle tellement d'Apstad. Il est en train de se faire vite, il est venu par lui. On va s'approcher. C'est des cocos. Salut. Une scène de mort. Je dois en savoir plus. Les pyramides là-bas.
Alors le problème c'est que si je fais un saut ici directement dans la flotte, c'est que c'est pas mon but. Je donnerai plus à manger les crocodiles. J'ai plus rien. Sekhmet, la déesse des chasseurs. Il y a des éraflures ici, au-dessus du ventre de la statue. Qu'est-ce que ça signifie ? Je donnerai plus à manger les crocodiles. J'ai plus rien. En voilà du cas. Je descends pas dans l'eau, hein, c'est très bien. J'ai les deux. Allez, pas beau en même temps. Voilà. Les crocodiles sont morts. Maintenant, je vais demander à Claudio ce qu'il était venu faire ici. Il est venu picoler, il a une jarre avec lui. Pourquoi les as-tu tués ? On venait de se rencontrer. Claudios, tu es ivre. Oui, c'est moi. Eh non, c'est faux. J'ai à peine bu 2 ou 10 bières. Très bien, je vais te ramener à ta femme. J'ai une femme. Oh, c'est ma mère qui va être contente. Allez, même toi. Elle tombe bien hein, pour un métier. C'est pas très solide leur truc là. C'est moi vieux. Es-tu venu ici, Claudio? Je voulais... Je me souviens pas. Je suis venu d'Alexandrie pour la fête. Et... quelqu'un... je sais pas qui... m'a offert à boire toute la nuit. Gratuitement. Impossible de résister. Ah, de quoi on parlait? De ta venue ici. Ah, oh, oui, c'est ça. Je me suis réveillé ici, entouré de tous ces crocodiles. Dis-moi, ils peuvent vraiment parler? L'Égypte est une terre de magie et de mystères très anciens. Incroyable. Mes amis de la ville ne vont jamais me croire. Dis-moi, tu n'avais... Voilà, voilà. Te voilà, mon chéri. J'étais morte d'inquiétude. Oh, par Dionysos, je me rappelle. C'est à cause d'elle que je suis partie sur cette île. Elle m'a fait boire, elle m'a épousée, et elle m'a dit que je lui devais un impôt de virginité. Mais celle de qui? Toi, va-t'en.
C'est une affaire entre mon mari et moi. Non, 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 ne pars pas. Ils vont me tuer. Montrez-lui ce qu'on fait à ceux qui veulent tromper une femme. Aide-moi. Voilà. Mes frères, tu as tué mes frères. C'est moi que tu devais aider, pas lui. Mon ami, je te remercie. Tu as sauvé ma vie et ma bourse. À l'avenir, réfléchis avant de boire avec des inconnus. Donc on va retourner voir si on peut récupérer la vie. Ah. Bon bah on fait les mêmes et on recommence. Voilà le livre des morts. Becca va être content. Maintenant, il faut
son livre au vieil homme. Ton père nous a quittés. Il s'est éteint, c'était son heure. Il était trop faible pour attendre ton retour. Puisse-t-il être conduit en paix? Il était désespéré à l'idée que son Ka'a ne trouve pas celui de ma mère. Où est son corps? Il n'est pas trop tard. Oh, tu es un bienfait des dieux. Il est en train de recevoir les rites dans le petit temple. Étrange, ces corps abandonnés ainsi. L'embaumeur doit en savoir plus. Vieil homme, ton livre. Puisse-t-il te mener à ta femme? C'est une honte de voir trois morts laissés à l'abandon. Que s'est-il passé? On vient de les amener, Medjay. Une famille massacrée à coups d'épée. Seule Iras, la fille, a survécu. Elle a porté les morts jusqu'ici un par un. La pauvre, elle est seule désormais. Une vraie tragédie. Une tragédie, oui. Où est-elle partie? Tu la trouveras à la ferme de Date abandonnée près de la route, là où on a tué sa famille. Cette Iras doit être une femme extraordinaire. Ah, hello. Amuse-toi, pas beau. Est-ce que c'est pas beau? Et voilà. C'est le chef qui vient voir. Quoi, c'est quoi ça?
Ils doivent chercher Iras. Mieux vaut se cacher. Et espérer qu'elle en fera autant. Donc ici je trouve un angle d'attaque. Il va par là, lui il va me voir. Ah mais il y en a combien là? Alors là ça reste tout petit quelque chose. Paix à toi, Iras. Je veux simplement te parler. Le dernier à avoir dit ça a tué ma famille. Je suis là pour t'aider, Iras. Comment est-ce que tu connais mon nom? Un prêtre m'a parlé de toi. Ah. Ma famille possède ces terres depuis des siècles, mais elle ne les a jamais cultivées. Un soldat est venu, il a dit que son maître possédait un acte de vente. Mon père a refusé de lui remettre nos terres. Ensuite, tu sais ce qu'ils ont fait. Et toi, que feras-tu? Cette ferme me revient. J'y travaillerai jusqu'à ma mort. Je peux faire en sorte que les soldats te laissent tranquille. Tu peux essayer. La villa dont ils ont parlé se trouve au nord-est, sur la route d'Alexandrie. Si tu échoues, dis au monde que je suis morte en protégeant les biens de ma famille! Non, on va pas échouer. Allez.
envoyé une flèche enflammée, lui. Non, mais... Ça, tu arrêtes. Voilà. Voilà. Ah bah oui, ça fait le ménage, ça. Hein. C'est bon pour le coup. Une lettre sur du papyrus. Lettre de Sophimus. Peut-être que vous me donnez la femme au ce chien dit que mon acte de vente est un faux. Il faut qu'il meure, sa famille aussi. Fais en sorte que ça ressemble à un accident et nous partagerons les profits de la ferme. Pour l'instant, tes hommes peuvent s'installer dans ma villa à la campagne. J'espère pas abuser de mon hospitalité. Si tu n'es pas devant ma porte avec ton dos depuis deux décades, tu peux te considérer comme un homme mort. Toi aussi, c'est trop beau. Sophronios. Encore.
encore un homme devenu boucher par Abba Duka. Alors, donc là, c'est bien Alexandre. Qu'est-ce que je fais Alexandre? Déjà, le truc, c'est pour l'important comme idée. Aïe! Ah non. Bon, là, ça suffit, là. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et toi tu arrêtes avec ton arc, ta gueule. C'est une sexy les mecs avec les arcs. Hein. À Toth. Viens à moi, Toth, au noble Dieu. Au Dieu qui se dit le commun, au messager de la Néade, grand ou d'une. Viens à moi pour me donner conseil et m'aider à te servir dignement. Faire ta maison, laisse-moi raconter tes prouesses, où que je sois, alors ta multitude du homme dira, comme ça, ça fait de grandes choses, et viendront avec leurs enfants avant de marcher dans l'esprit de tes actes.
et appelé le Seigneur de la Victoire, la joie est dans le cœur de ceux qui lutent. Cinq heures de temps qui s'amuse dans le chaud. Trop de bandits et rôdent en se sentant soudés. Reviens à la maison sans tarder. Tout est pardonné. On va aller avec son jeu 2 jours. Vous voyez, c'est calme. Sautez-moi. Je viens t'aider, Aya. Medjay, approche, grand guerrier. Je vends tout ce que tu veux. Si tu en as besoin, je l'ai. Si je ne l'ai pas, c'est que tu n'en as pas besoin. Rueda s'occupe de toi dans ces terres désolées. Tu n'es qu'un enfant. Comment as-tu trouvé de tels trésors? Je les ai pris dans les sables du désert. Des vaisseaux engloutis par le Nil, raffinés par les servantes des dieux. Des armes forgées dans les mines de Nubie. Des bijoux de Perse et des trésors assyriens. J'ai tout ce que tu veux. Je vois. Tu as beaucoup voyagé pour quelqu'un de ton âge. Oh, tu sais, Neb, j'ai acquis la sagesse pendant mes longues nuits dans le désert auprès de mon dromadaire. Montre-moi ce que tu as. Viens, regarde. Si tu veux, Neb, j'ai aussi des tâches à te confier. Je ne veux pas savoir ce qu'il a fait avec son dromadaire. Alors, l'icône dromadaire indique l'emplacement de Rueda le marchand. Rueda propose un large éventail de marchandises très rares. Passez le voir régulièrement car son solde change chaque semaine. Chaque jour, Rueda propose une nouvelle quête afin d'aider une personne se trouvant dans une situation délicate. Réussissez dans le temps accordé et vous serez largement récompensé. Je ne veux pas que ces marchands vendent leurs pacotilles ici près de chez moi. On leur dit que j'achèterai leurs marchandises s'ils partent commercer ailleurs. Cette ferme devrait déjà être à moi. Pourquoi ce retard?
va juste à côté. Voilà, là, là. Accroche-toi. La fin est digne de la vie que tu as menée. Voilà. Je revois Iras. Je lui annoncerai la nouvelle. Bon, il faut calmer. Kakisteos, Amelison. Τι συμβανέστη, παιδες λέξον μη. Σαραπής, le serpent aura sa réponse. Κεραυναίων δια, τι οπούτο έστη. Par Horus, pourquoi y a-t-il autant de soldats ici? On va continuer à voir les bas. Oh.
Allez, on va aller voir Aya à la bibliothèque. Bon, apparemment, il y a un livre qui est là. Oui, je suis un peu content au problème. Comment vais-je trouver Aya? Il a des idées très intéressantes. Parmi tous ces rouleaux. Très radical. C'en est presque inquiétant. Je suis bien de ton avis. Et surtout, il devrait se montrer plus concis. Bien, Sarapis. Et maintenant, où est Aya? Ah, Sarapis. J'ai écrit une épopée pastorale tragicomique en son honneur. Ah. Tu es Bayek, hein? Aya a hâte de te voir. Elle va bien? Vite, suis-moi. Désolé, mon bon ami. Tu m'as l'air d'être saoul. Cette bibliothèque est réservée aux vrais lettrés. Elle se cache. Qui es-tu? Ah, tu t'intéresses au vers d'Homère, hein? Par ici, viens. Je suis le cousin d'Aya, Phanos. Ah oui, Phanos. Ravi de te rencontrer. Dis-moi ce qui est arrivé à Aya. Pourquoi parles-tu si bas? Génadios a envoyé ses hommes fouiller chaque maison. Ils font souvent sortir les habitants et les torturent pour obtenir des informations. C'est une pratique courante du régime. Génadios. Un monstre. Le Philakitai d'Alexandrie. Il saccage la ville pour retrouver Aya.
Où est-elle en ce moment? J'ai un ami très puissant, Apollodorus. Tu dois avoir entendu parler de lui. Non, jamais. Ça viendra. Quoi qu'il en soit, il a aidé Aya à échapper aux gardes quand elle a eu des ennuis. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a toujours rien dit. Toutes sortes d'intrigues politiques. Ne t'en fais pas, il t'expliquera tout. Regardez, c'est Phanos. Les dieux veillent sur le pays et nous couvrent de leurs bienfaits. Je Sophocle des temps modernes. Je ne vais pas plus loin. Si tu veux trouver Aya, entre dans ce monument. C'est par là. Fais-moi confiance. Tu m'as manqué. Il ne faut plus qu'on reste séparés si longtemps. Il n'y a plus que nous. Sans Kemo. Soyons heureux d'être ensemble. Tous les deux. L'un pour l'autre. J'ai des nouvelles. Les cicatrices de la justice. Ah. Je m'en suis servi pour frapper Medunamun. Ça me peine que nous ayons à faire de telles choses. Mais je suis heureuse que tu aies agi. Pour être franc, j'y ai pris du plaisir. Tes mains m'ont manqué. Te toucher m'a manqué aussi. J'ai tué moi aussi. Actéon. Je l'ai traqué et j'ai découvert un masque dans sa chambre. À son retour, je l'ai contraint à le porter. Et j'ai enfoncé cette lame dans ses yeux. Aya. Mais j'ai été négligente. Un autre porteur de masque m'a suivi chez moi. Ça a été plus dur avec lui. Il en reste encore un. Ensuite, ce sera fini. Regarde ça. Je l'ai pris sur Actéon. Apollodorus pense qu'il s'agit d'un papyrus du Conseil Royal. Ça signifie que le serpent est à la cour de Ptolémée. Comment cet Apollodorus est-il au courant? Il a des informateurs partout, parce qu'il soutient Cléopâtre. Cléopâtre? Elle a été déclarée hors la loi. Par son traître de frère. Elle compte reprendre le trône. Elle veut la mort du serpent autant que nous. Elle me fait confiance. Elle m'a donné ça, pour lui ouvrir la gorge. C'est une lame ancienne qui a tué le tyran Xerxès. Un symbole de justice. Ingénieux. Ah. J'irai au palais. Je découvrirai qui utilise le sceau du serpent. Et je me servirai de ceci. Tu apprendras beaucoup de choses dans le bureau du scribe royal. Il
Passe le plus clair de son temps au bain. Fouille le palais en son absence. Et toi ? Je dois rester ici tant que Genadios surveille les rues. Il est décidé à me tuer. Je vais m'occuper du serpent. Voir ce que je peux tirer de ce Genadios avant de le faire taire. Découvre qui est le serpent et montre-lui le visage de la mort. Je te retrouverai au Panéon lorsque tu auras tué le serpent et Genadios. Mon cœur se languit déjà de te revoir. Le mien aussi, mon âme. Bon, voilà, on a retrouvé Aya. Deux serpents. Il y a un deux. Note d'Aya. Thanos a raison, je dois rencontrer Apollo Doré. Selon lui, Acteon y est mêlé. Je dois m'introduire dans ce quartier, le mal est l'un d'eux. Son sang est pour mon connu. Je dois me cacher, mais Apollo Doré pourrait m'aider. Il m'a donné accès au repère, je peux le faire comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Un chemin qui mène au quai. Je n'arrive pas à croire que Thanos t'ait fait passer par la fosse. Non. Je me dis que c'est plus près. C'est vraiment du désert de la même chose. On va monter. Voilà. Un peu deux. Ça. Et on peut vraiment faire des choses. Je vais retourner sur tous ces arbres. Ce sera séché comme ça, je vais et après le matin de nuit. Bon, trouver les assassinés du navire. Ça sera pour la prochaine fois. Voilà, c'était tout. Allez, salut!